Bonjour, mon nom est Maxime, je travaille à la direction des bibliothèques de Montréal et aujourd'hui je vous parle de Main d'œuvre par Ariane Dénommé, publié à La Mauvaise Tête. Main d'œuvre, c'est l'histoire de Daniel, un jeune homme qui part travailler dans les mines du Nord pour de longs quarts de travail de 100 jours avant de revenir pour des deux semaines de vacances voir sa famille dans le Sud. Ça part de l'ennui, de la solitude de Daniel et de ses collègues mineurs, de la difficulté d'avoir des relations émotionnelles avec des proches dans le Sud. C'est supporté par un très beau dessin tout en crayonné qui rappelle l'intérieur des mines. Et c'est encore plus touchant quand on sait que c'est l'histoire du père de l'autrice après qu'elle ait fait des entrevues avec lui pour connaître sa vie. Alors, main d'œuvre, lisez ça, vous aimerez.